Comment consulter ses perfs après avoir enregistré son move? Alors, on appuie une fois sur le bouton central à droite. Ça ne fonctionne pas. Voilà. On appuie en fait en haut à droite. On descend, journal. On attend un petit peu. Voilà toutes les. Tous les moves qui apparaissent. Alors, mon dernier move est un move de course à pied, mais je vais montrer un move de planche à voile. Je descends, je sélectionne avec le bouton central. Alors, on voit que ça s'est passé, ma séance de planche à voile s'est passée le 8 mars et a débuté à 14h44. J'ai parcouru 69,62 km. Ça a duré 3h30 et 30 minutes et 32 secondes. J'ai fait un seul tour. Alors, la moyenne était de 19,8 km. Et mon maxi, ma vitesse maximum était de 47,5 km/h. J'ai une moyenne de 36,4 km/h. C'est ma moyenne la plus rapide. Et là, mes traces vont se charger. Ça prend un petit peu de temps. Et voilà, on voit mes traces qui se forment sur l'écran. Et tout en bas va apparaître une règle pour se rendre compte des distances parcourues. C'est une échelle. Là, elle est sur 500 mètres. Je rappuie. Là, c'est ma vitesse de descente, je crois. Bon, je sais pas trop ce que c'est, ça, descente, je crois que c'est descente de 7 mètres. Voilà, si je passe à la course à pied. Bon, là on voit que j'ai fait un footing à 9h36 le 12 mars 2017. J'ai parcouru 11 km, ça a duré 1h 1 minute 57 secondes. J'ai fait une moyenne de 10,7 km/h avec un maxi à 15,9 km. Et j'ai couru en moyenne à 5,35 minutes par kilomètre. Et le maxi a été de 3,46 minutes au kilomètre. Et là, mes traces vont apparaître. Là, l'échelle est sur 2 kilomètres. Alors, je suis descendu de 97 mètres et je suis monté de 53 mètres. Bon, ça, je sais pas trop ce que ça veut dire. Voilà, j'avais pas la ceinture. Le temps de récupération va être de 76 heures. PT 5.0, je sais pas ce que ça veut dire. Et voilà, pour revenir au point de départ, j'appuie en gauche. C'est fini.